pense qu'il y a un écœurement pour la classe politique parce que les gens pensent que ces gens-là ne disent pas la vérité parce que c'est arrivé trop de fois qu'un politicien dise quelque chose, qu'il se fasse élire là-dessus et qu'il fasse le contraire. Donc, il y a un cynisme qui s'installe. Et les gens ont de plus en plus l'impression que c'est un jeu de quelques personnes qui sont là pour leur propre bien. Alors, c'est ça qui est arrivé avec la politique. C'est difficile à inspirer des gens qui sont devenus cyniques. De notre côté, on a vu beaucoup de passion autour des événements du printemps étudiant, le printemps érable. Et pourquoi ça a soulevé les passions? Parce que c'est un mouvement qui est venu de la population. Alors qu'on soit d'accord avec leurs demandes ou non, c'était des gens qui étaient réellement passionnés. Ils n'étaient pas là pour eux-mêmes. C'était pas des gens qui étaient une classe élite qui était là pour préserver leur niveau social. C'était un mouvement étudiant qui est venu des étudiants et qui a été mené avec beaucoup de passion et qui a attiré la population, la passion de la population. Alors, c'est ça qu'on ne voit plus en politique, mais ça prend ça pour que la politique fonctionne. Alors, ça prend des gens qui sont passionnés et ça prend des gens qui offrent des projets et qui sont capables d'inspirer la population.